Ben, view, hein, ah ouais. So, je suis en train de filmer maintenant. Ouais. Hey Pancho, ça va? Je te donne une petite tour, I guess. Là, ce qui va être mon futur camp. Puis mon tipi. So, je sais pas si tu peux voir en bas, mais je vais essayer de te faire montrer. Ça, c'est la rivière. Là-dedans, tu vois pas rien, là, mais anyways. C'est une grosse falaise, puis c'est une belle view. Puis ce site, ça va probablement être mon terrain. Il y a déjà comme une petite éclaircie. On a coupé à l'arrache, là, juste cet hiver avec la neige, pour se prendre du beau pour le tipi, puis tout ça. Puis ce site, c'est mon tipi. Puis il y a comme foiré à Michel. Ouais, on a une couple de petits patchages à faire. Oui, c'est mon friend Butch, c'est mon right-hand man, c'est comme mon super grunt, il joue dans le bois avec moi, il m'aide toujours, bon gars. Puis il a aussi décidé aujourd'hui de passer à travers du tipi, so, il a fait un trou. J'ai marché à la mauvaise place. Yeah. On pelletait à cause que la neige est assez pesante. Puis c'est ça, ça faisait de la pression en dedans du tipi. Je vais te faire montrer après. But, il a marché un petit peu trop proche, puis il a passé à travers, puis il y avait plein de neige sur le lit. So, c'est ça. Il a fallu qu'on le patch, puis qu'on mette des band-aids un petit peu partout. Hein? So, tu peux voir, il est sagui pas mal. But il garde encore bien. But, c'est ça. Avec toute la neige, but là, on a... Je dirais qu'on a enlevé comme half de la neige. Il y a encore comme 4 pieds en dessous de la neige, je dirais, à peu près. Ouais. Puis ça, c'est notre corde à linge. Fallait qu'on pense aux femmes aussi. Ouais, ça. Fallait qu'on pense aux femmes. Non, ouais, vraiment, ça, c'est... Tu coupes cette corde-là, mais toutes les tipis tombent. C'est mal fait, hein? Non. Alors ça, c'est ma traîne. J'ai envoyé des photos hier. Puis, this is my teepee. Je sais pas si ça va bien avoir, là, vu que je filme avec la GoPro, là, mais... Et ouais, ça, c'est mon rack. Puis, j'ai 4 chaises ici dedans, puis... Quelque chose pour cooker. Puis, ça, c'est... My pride and joy! C'est mon lit. The King's Bed. Ça a pris comme une journée à faire, mais il est framé quoi. Puis, ouais, il est vraiment confortable. On a fait en sorte aussi qu'on pouvait lancer des hot rocks en dessous. So, on l'a pas fait encore, mais peut-être bien un jour. Si le tipi change jusqu'à l'année prochaine, peut-être bien qu'on la fera. Puis, à part de ça, c'est pas grand-chose d'excitant. On a des tasses. Une coupe de tasse, une panne, des outils, un food barrel, il y a de la bouffe dedans tout de suite. Un tuyau à outils de Kent. On a du. du dried ginger, ça fait du bon thé. Puis. C'est bon thé, oui. Une batch de thé. Yeah. Là, bientôt, Jason va se cooker un bon souper saucisse. Ouais. Saucisse, peppers, oignons, je te ferai montrer ça plus tard, hein, c'est de te faire baver un petit peu. Vu que toi tu me fais baver le 3/4 du temps, ça va être mon tour. Ouais. Puis wow, c'est pas mal ça que c'est. La porte aussi est ajustable. Celle-là, elle est ouverte comme à la moitié. But, tu peux faire en sorte qu'elle soit... wide open ou juste qu'on crawl dedans, là, dépendamment de ce qu'il fait frais ou pas. Là. But anyways. That's it, that's all. On s'en parle. Bienvenue à l'épisode.
Ouais, c'est ça, on a tout amené le bois, puis j'ai pas pensé faire un petit vidéo, mais j'ai fendu du bois, puis comme tu dois, mais on a un rack à bois pas mal sophistiqué. C'est du bois par-dessus une tarp. Je voulais m'acheter le stuff pour faire le rack que je te parlais dessus là, hier, mais il n'y a pas le matériel. C'est ça. Moi, je vais couper. Hey man! Moi, je vais t'apprendre à comment allumer un feu comme un homme. Avec besoin du boulot, besoin de ton knife, puis t'as besoin de. Un fire rod. So. Ouais, tu fais une bunch de Tinder là, tu ponges du bon boulot sec, tu le mets à tes mains, tu fais de même, puis ça va faire de la poussière. Puis, tu restes ton couteau en place, tu prends ton fire steel, puis tu le laves partout. Puis, first shot, et au jeu, ça marche. Merci. Pas d'autographe, s'il vous plaît. Pas d'autographe. One shot wonder. Ah, puis, j'ai mon bois de préparer. J'ai mon petit bois. J'ai mon lunch. J'ai mon gros bois là-bas. Puis là, je suis en set. Je vais te manger la face. C'est là, bon. Oh non! Ben, je pense que ma GoPro s'est soulevée de crevisse. Je vais te dire adios, peace out, puis j'espère que je t'ai rendu un petit peu jaloux. Au moins un brin. Quand mon lunch, man, ça a l'air bon! Ben moi, je suis jaloux. Hein? Lui, il est jaloux, il a l'eau à la bouche. Puis moi, je suis sûr pas. Anyway, c'est ça. Salut. Bonne journée. Hey, il est jaloux, garde la face. Je me fais souffrir, quoi. Dans le fond, je suis pas si soft que ça. Là. Tantôt, là, que je disais, je sharerais pas, là. Je jokais juste. Là. Je suis gentil avec mes amis. La bonne saucisse du matin. C'est bon. Salut!